Didi Stone, la fille de Kofi Olomide, réagit aux mensonges de Laurence Okoko. Didi Stone Olomide, la fille de Kofi Olomide, a répondu de manière cinglante aux récentes déclarations de Laurence Okoko concernant sa mère, Alia. Elle a également attaqué Cindy Lecœur, chanteuse au sein du groupe de son père, en insinuant une relation amoureuse entre celle-ci et son père. Ces nouvelles révélations s'ajoutent aux précédentes déclarations choc de Didi Stone sur les violences domestiques et l'infidélité de son père, ainsi que sur la procédure de divorce en cours entre ses parents. Réaction de Didi Stone Olomide. Didi Stone Olomide a réagi avec véhémence aux accusations de Laurence Okoko à l'encontre de sa mère, Alia. Elle a souligné les comportements violents de son père envers sa mère, déplorant les coups et les blessures qui l'ont laissé défigurer pendant plusieurs jours. Didi Stone a déclaré, « Quand mon père s'en prenait à ma mère en la frappant et en la battant pour un oui ou pour un non, jusqu'à lui casser le nez et la laisser défigurer pendant plusieurs jours, qui était « mauvais cœur ». Elle a également ajouté, « Lorsqu'il commettait des infidélités et menait ses affaires dans la même maison où nous habitions, avec ses danseuses ou d'autres femmes. » En plus de ses réactions contre Laurence Okoko, Didi Stone Olomide a également envoyé des piques à Cindy Lecœur, chanteuse au sein du groupe de son père. Didi Stone a insinué une relation amoureuse entre Cindy Lecœur et Kofi Olomide, en déclarant publiquement, « Lorsqu'il draguait ouvertement mes propres copines, à moi, Didi Stone, en notre présence, qui était « mauvais cœur ». Ces insinuations ont suscité l'attention et l'intérêt du public, ajoutant ainsi une dimension supplémentaire aux tensions familiales déjà existantes.